Ah, les académiciens, mais quelle bande de magiciens! Ils préfèrent être nuancés, subtils, polis, métaphoriques, citant tel ou tel personnage historique, penseur, plutôt que d'être direct, bancal, honnête. Pour eux, l'honnêteté, la science et de la rhétorique, c'est de la rhétorique. Ce n'est pas vraiment de la science, ce n'est pas vraiment du scepticisme, ce n'est pas vraiment du doute. Mais c'est un exercice de style, c'est un exercice de langage. C'est le langage qui peut transformer, comme les anciens rhétoriciens, sophistes, attaqués par Platon, qui transforment leurs idées dans des simples arguments rhétoriques. Pour moi aussi, la vérité, c'est de la rhétorique. C'est, disons que aussi, le fait d'être intègre, c'est de la rhétorique, c'est un signal, quelqu'un le lit, le comprend. Mais c'est vraiment le type classique de rhétorique comme moyen d'éviter de dire la vérité que les académiciens considèrent maîtriser le plus.